ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 En Seigneur, j'étais devant la piscine. Amen. Moi, dimanche passé en Seigneur, j'étais devant la piscine et j'ai vu l'ange agité l'eau. Amen. Mais rien de ma vie ne s'est sorti de cette rangée. À moi, je me suis dit, mais cette sœur, elle veut encore quoi? Elle veut encore quoi? Personne ne l'a regardé. Oh, le Saint-Esprit était en train de communiquer quelque chose. Amen. Elle est repartie. 2 minutes après, j'ai vu un groupe de frères sortir de ses côtés. Et la salle était en ébullition. Amen. Est-ce que tu as été touché, bienvenue? Qui a vu la main de Dieu dimanche passé? Qui a vu la main de Dieu dimanche passé? Qui a vu la main de Dieu dimanche passé? Amen. C'est pour cela, bien aimé, quand tu es là, dans la relation, ne sois pas distrait. Tu ne sais pas quand et comment tu te répètes. Tu ne sais pas quand et comment. Amen. Qu'est-ce que tu peux adorer à Jésus? Qu'est-ce que tu peux donner à ton Dieu? Celui qui fait des merveilles. Jésus a comparé la puissance de sa mère. Jésus a comparé le merveille qu'il avait accompli au milieu de nous. Mais je sais, et qu'aujourd'hui, il a encore le merveille qu'il veut faire. Amen. Amen. Mais nous voulons l'acclamer encore très très fort. Gloire à Jésus. Acclamez Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, acclamez Jésus. Non. Je ne sais pas si tu as compris la dimension. Parce que tu as compris le niveau. Parce que tu as compris l'homme que tu veux acclamer. Bien-aimé, la chair n'est rien. Amen. Amen. Le bien matériel n'est rien. Amen. Je regardais un informateur, une fille qui montait à l'hélicoptère. Tu as vu des hélicoptères tomber? Tu as vu comment des hélicoptères tomber? L'histoire des gens finis. On en parlait. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Être grand dans ce monde n'est rien. Mais être dans la présence de Jésus. Que Jésus marque ton nom dans l'histoire. Tu vois cette femme qui n'avait rien donné. Qui n'avait rien donné. Son nom est resté dans l'histoire de siècle en siècle. Amen. Est-ce que tu veux que ton nom soit marqué dans l'histoire de Jésus?